Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Que la com Kamel prêt. Alors, vous êtes en vacances. Donc, Khalouni comme bonnes vacances. Sot la Saïda. J'espère que vous avez bien travaillé pour le fasl l'awel. Les merdem chemlih ou la li chaf rouhou hbat chouya. Sachez que c'est un petit peu normal, ma dorof li ana nqraw fiha had les 2-3 dernières années où le yani le temps restreint là comme tu travailles, mais comme je travaille beaucoup à l'école. Et bien sûr, à la fin, il faut que tu aies une mouradja'a constante dans le bain. Donc, il faut que la mouradja'a soit quotidienne à la maison. Mais je vais les examens ou les tests pour nous parler de la classe et nous dire. J'espère que c'est clair. D'accord. Donc voilà, les examens les fils face à l'ouel, ils commencent à la fin de l'année. Ouais, les chefs roulent, on passe chouïa. يزيد يخدم في هاد لي فاكونس يعاود يتيب روحو ان شاء الله اي لو دوزيام تريمست سوغا ميور الوغ بيان سور هاد لي فاكونس لازم علينا نراجعو شويه ماشي نخلو لي كايي دو كوتي ومن بعد هاديك ليله الدخله نروح نراجع نو لازم تراجعو تاخدو وقت للعب بيان سور وقت للاستراحه ووقت للدراسه دونك لازم عليكم تراجعو à la maison. D'accord? Alors, اليوم nous allons voir une leçon de 5e année primaire, اللي هي les verbes pronominaux. Donc, nous allons voir واش معناتها un verbe à la forme pronominale, d'accord? وكيفاش راح نصرف un verbe à la forme pronominale au présent de l'indicatif. Donc, حاجة جديدة عليكم. C'est très facile en fait, بصح وشنو لازم علينا التركيز ou bien sûr لازم ندربو en faisant des exercices. Donc il faut toujours s'exercer à la maison, d'accord? Parce que من خلال هاد التمارين راح نتقويو المفهوم تاعكم. On est d'accord. Donc هاد الدرس ان شاء الله راح نشوفوه في الدخول تاع الفصل الثاني. Donc ça sera une leçon du deuxième trimestre. Et voilà, voilà. Alors, on a un verbe pronominal. Un verbe pronominal, les blarbiens, qu'on peut dire, l'af'al ou l'af'al ad-damiri. D'accord? On va voir ce que ça veut dire. Damiri, ça vient du mot ad-damir, donc le pronom. D'accord? Alors, c'est quoi un verbe pronominal ou bien un verbe à la forme pronominale? D'accord? Parce que, bien, je me ferme, ce ne sont pas tous les verbes de la langue française qui prennent la forme pronominale. Il y a une chique, l'af'al, il y a la forme pronominal. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, c'est quand le sujet fait l'action sur une partie de son corps. Alors, bimana afa, qui le fa'il ou le sujet ou bien le GNS, qui le sujet fait l'action sur une partie de son corps. Ça veut dire que le fa'il a l'étape le fa'il à la nefso. On est d'accord. Donc, n'aoud, le fa'il, il voit le sujet, fait l'action. L'action, il y a le fa'il, il y a le fa'il, il y a le fa'il, ou là, sur une partie de son corps. Il y a le fa'il, il y a le fa'il. D'accord. Donc, le fa'il, il y a le fa'il. Un exemple, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Rani nghsel fisnani ana. D'accord. Donc, là, le je. C'est un pronom personnel, c'est le sujet, il y a un fa'il fait le jumla. Me brosse, c'est un kamel fa'il. Donc tout ça, c'est un verbe. Mais je brosse wahdo. Me brosse, c'est un verbe, d'accord, à la forme pronominale conjuguée au présent de l'indicatif. Il y a un mousarraf, fait le mudari', la fouhadir, qui met polo, pleure l'arabie. D'accord. Donc je me brosse les dents. يعني راني نغسل اسناني راني نقوم بالفعل على نفسي اسناني انا داكور دونك مو سي ان برونون ريفليشي داكور اي بور لا كونجوغيزون راح نصرفو جينيرالمون راح نشوفو لي فيرب دو بروميي غروب دونك راح نصرفو لو فيرب الوغ كيما قلت لكم راح نشوفو لي فيرب جينيرالمون دو بروميي غروب دونك راح نكونجوغيوه لو بلو نورمالمون دو مون قلنا او او اس او او ان اس او زد اي او ان تي لي تيرمينيزون دي فيرب دو بروميي غروب بريزون دو لانديكاتيف اي ريغاردي دوزيام اكزومبل جو مو لاف لي مان جو مو لاف لي مان يعني اغسل يدي دونك جو قلنا سي لو سوجي مو لاف هذا كامل c'est un verbe. D'accord? Il y a l'exemple que tu vois. C'est pas le verbe laver, c'est le verbe se laver. D'accord? Donc je me lave les mains. Il dit à un. Donc là, nous avons le fait, nous avons le fait à la nefsi. D'accord? Donc je me lave les mains.
OK. Alors, regardez ici. Les verbes pronominaux, اللي قلنا هما الافعال الضميريه, d'accord? علاش الافعال الضميريه؟ Parce que ils sont مرفوقين بضمير, donc ce qu'on appelle un pronom réfléchi, d'accord? Donc les verbes pronominaux se conjuguent avec des pronoms réfléchis. Voilà. De la même personne que le sujet. Ah, واش معناتها هنايا؟ Ça veut dire que le sujet, le pronom réfléchi هذا راح يكون تابع le sujet تاعكم, يعني الفاعل تاعكم. Par exemple, je, me, tu, te, il ou elle, se, nous, راح ندوبليو النو. Oui, je sais que ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Vous, par exemple, vous vous appelez, vous vous promenez, vous vous lavez les mains, d'accord? Très bien. Et il ou elle avec S, avec se, mais il peut être. D'accord? Alors, si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, d'accord? Me ou te et se deviennent un apostrophe, le T apostrophe et le S apostrophe. Exemple, je m'appelle. Maintenant, je me appelle. D'accord? Ou bien, tu te appelles. On dit je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle avec S s'appelle. Donc, si le verbe commence par une voyelle, d'accord, ou là par un H muet, bien sûr, le M ou T ou le S, n'a le E et on met l'apostrophe. J'espère que c'est clair. Alors, les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi. D'accord? Ou le pronom réfléchi, هذا راح يكون de la même personne que le sujet. Par exemple, je, ندير قدامو me. D'accord? Je me lave. Là, comme tu vois, le verbe laver, il est conjugué le plus normalement du monde. D'accord? برك ضفنا له les pronoms réfléchis. هذه هي الخاصية تاع les verbes pronominaux. Le verbe راح نتصرفوه عادي جدا. بصح بينه وبين الفعل وبين الضمير وبين السوجي يعني الفاعل راح نضيفو les pronoms réfléchis. Je ديرو قدامو me. D'accord, tous les je me lave, ماشي je lave, d'accord. Donc le فرق بين je me lave et je lave. Alors, je me lave يعني اغتسل, انا اللي راني نغسل. Et quand je dis je lave يعني اغسل, اغسل شيئا ما ولا, d'accord. Donc je me lave. Tu, il dit قدامو le pronom réfléchi te. Tu te laves, ES. Il ou elle, on se lave. D'accord? Donc, il ou elle, il dit d'un mot le pronom réfléchi se et lave. Donc, avec E à la fin. Nous nous lavons, ONS. Donc, double nous. Donc, il dit comme je suis bizarre, mais ça a dit tout le faux. Vous, il dit d'un mot le pronom réfléchi vous. Donc, tous les vous, vous lavez, EZ. Elle ou bien il ou elle avec S, il dit d'un mot se. Kema il ou elle au singulier. Donc il ou elle avec S se lave, ENT. Donc à contrario, le verbe laver ou là le verbe se laver, il relâche le ER kif kif. Donc là, on conjugue le verbe normalement. Barque fil wasat, يعني بين الفاعل, بين le sujet ou le verbe, راح نضيفو un pronom réfléchi. D'accord? Donc هادو للحفظ, s'il vous plaît. Alors, voici ici quelques exemples de verbes pronominaux. Alors, maintenant, le verbe se réveiller, se laver, s'habiller et s'appeler. Donc, il y a comme tlahdo, kamel rahom à l'infinitif. Donc, n'aoud, un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas encore conjugué. Yani, mazal mabdinach nsarfa. D'accord? Ou alors, comme tlahdo, bli kamel ikhlasou bl er. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des verbes du premier groupe. D'accord? Donc, la terminaison tahom rahatkun à la neuf, c'est chèque. Kima rakom tsarfa. Un verbe du premier groupe qui est le verbe manger, matalan. Gaï khlasob, E, E, S, E, O, N, S, E, Z et E, N, T. D'accord? Rahan défaut l'homme qui m'a qu'on a le pronom réfléchi, fil wasat. Donc, bien le sujet ou le verbe, rahan défaut le pronom réfléchi. Alors, on a le verbe se réveiller. D'accord? Donc, je me réveille, yani astayqid. D'accord? Je me réveille. En allez, je me réveille. Tu te réveilles. Enta tastayqid. Il, elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il ou elle avec S se réveille. D'accord? Neuf séché pour le verbe se lever. Je me lève, yani anhad, ana alladhi anhad. D'accord? Je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il ou elle avec S se lève avec ENT bien sûr.
le verbe s'habiller. Je m'habille, يعني ألبس. D'accord? أنا الذي ألبس. Donc, je m'habille, tu t'habilles, il ou elle s'habille, nous nous habillons. Le H muet, donc on fait la liaison. Vous vous habillez, il ou elle avec S s'habille. Et le dernier verbe, c'est le verbe s'appeler. D'accord? Donc, le verbe s'appeler, rahintoufou, blékein, une petite différence, fait l'L. À chaque fois, il t'bettel. Donc, je m'appelle. Tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, le S est écrasé, donc se prononce Z, parce qu'il est entre deux voyelles, donc nous nous appelons, vous vous appelez, Z, il ou elle avec S s'appelle, ENT. Alors, عندكم القاعدة من التحت, le sujet, اللي هو الفاعل, plus le pronom réfléchi, plus le verbe, d'accord? وعندنا من التحت تاني, les verbes réfléchis accompagnés à leur sujet, donc je, me, tu, te, il ou elle, se, elle, voilà, se, on, se, nous, nous, vous, vous, il ou elle, avec S, se, avec S, E. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde.